tous les styles vestimentaires d'Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée en 2017 ont été scrutés et soigneusement commentés, qu'il soit en costume trois pièces impeccablement coupé ou en sweatshirt et gants dans son bureau, il ne laisse jamais indifférent. À tel point que même l'ancien président Nicolas Sarkozy a donné son avis sur les tenues de l'actuel chef d'État. Nicolas Sarkozy, quand on fait de la politique, il faut avoir la même tête que sur sa photo de campagne. Macron, il s'est chabillé si est-il le canard enchaîné qui a rendu public l'opinion du mari de Carla Bruni sur le style vestimentaire d'Emmanuel Macron, le 31 août dernier. Et de tout ce que porte le président, il y a un détail qui a le plus tapé dans l'œil de Nicolas Sarkozy, quand on fait de la politique, il faut avoir la même tête que sur sa photo de campagne. Macron, il s'est chabillé ajoutant il porte la cravate, il est bleu marine, sur bleu marine, sur bleu marine. Il a raison, si est-il un signe de respect. Et il faut dire que l'actuel locataire de l'Élysée est régulièrement vêtu de cette couleur, soit en costume trois pièces, avec un gilet coordonné, soit sans gilet mais laissant toujours apparaître une chemise d'un blanc aveuglant. Aux côtés de Brigitte Macron, devenue sans le vouloir une icône de mode, Emmanuel Macron se présente toujours tiré à quatre épingles, ce que préfère Nicolas Sarkozy le concernant. Arrivé à l'Élysée alors qu'il n'était âgé que de 39 ans, l'étiquetant comme plus jeune président de la 5e République, Emmanuel Macron a aujourd'hui, par la force des choses, acquis de l'expérience et donc, quelques cheveux blancs. Si est-il d'ailleurs ce qu'avait déjà souligné Nicolas Sarkozy comme le révèle le livre Chéri, j'ai rétréci la droite. De Nathalie Chouk et Olivier Beaumont sorti en 2021, il est de moins en moins jeune. Surtout quand on regarde ses cheveux, avait-il osé? Il semble toutefois que ce soit plus affectueux que malveillant, d'autant que Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont été reçus à dîner par le couple présidentiel cet été. Peu probable qu'Emmanuel Macron ait sorti le costume bleu en plein été, mais ses invités ne lui en auront sûrement pas tenu rigueur.